Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Croyez aux fées? Vous croyez bien en Dieu? Pour ceux qui ne connaissent pas complètement Stéphane, mais je pense que la plupart des gens connaissent Stéphane. Stéphane a été récompensé par un César du meilleur espoir masculin. Et en tout cas, le reste de la carrière nous a prouvé que ben, il l'avait mérité. Il a obtenu un Molière aussi. Donc c'est quelque chose qui a lancé sa carrière. Mais en même temps, il a joué dans beaucoup de films, sous la direction de beaucoup de réalisateurs. Il a fait une... C'est impressionnant à la télévision le nombre de rôles que tu as eu aussi. Donc c'est vrai que tu as tourné avec beaucoup de gens. Et puis le théâtre ne t'a jamais quitté. Et j'ai même vu que tu avais fait aussi de la post-synchronisation des voix pour le cinéma. Donc ouais, c'est... Pas beaucoup. Mais pas beaucoup, mais non. En tout cas dans toute la continuité de ta carrière, là maintenant tu t'attaques au cinéma en tant que réalisateur. Tu as fait 2 courts-métrages. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai une plus belle carrière avec toi. Oui. Moi, il faut qu'on se déplace souvent ensemble. Bientôt, j'aurai fait 10 films grâce à toi, c'est bien. Non. Non, mais ce que j'aimerais surtout, c'est entamer le rap. On va faire comme si j'avais rien fait. Stéphane Fraisse, vous êtes à Marseille. Alors, oui, ça c'est une certitude. Oui, je marque quand même l'endroit au cinéma Arplex. Et c'est vrai que le film est sorti il y a déjà plus d'un mois. Ah oui, on est dans la 7e semaine. Voilà, donc vous faites le travail justement, pas le service après-vente, mais vous aimez rencontrer le public. Non, mais c'est exactement ça en fait, c'est du VRP de j'allais dire de luxe, mais même pas de luxe, parce qu'en fait c'est moi qui me fais plaisir. En fait, je pense qu'il y a un échange très important qui se fait après le film. J'ai compris que ce débat non seulement donnait au public quelque chose en plus, à moi me donnait énormément, et donner même sens probablement au projet. C'est-à-dire que ce film, je crois que je l'ai fait parce que j'espérais aussi qu'il y ait ces échanges ensuite. De ces échanges, je me nourris et je me remplis énormément, mais je vois aussi que le public qui vient en salle repart avec une espèce de rencontre avec sa propre histoire à travers le film qui, avec le débat, cette nourrie de nos échanges et je sens que j'ai fait un trou dans la carapace. Je sens que je les ai renvoyés à leur propre transmission ou réussi ou moins réussi à leur propre histoire, à leur propre vie, à toutes ces choses qui pèsent encore en eux, ces héritages trop lourds. Donc vous disiez que vraiment le public, voilà, le bouche à oreille fonctionnait bien parce que ils étaient intéressés par cette histoire qui justement les concerne. Parce que c'est vrai que c'est une histoire un peu exceptionnelle. Alors vous disiez que c'était la vôtre, je viens de l'apprendre. Donc non, c'est pas mon histoire. Non, c'est pas mon histoire. C'est inspiré d'une partie de mon histoire. Mais en fait, moi, je me retrouve dans tous les personnages. Je suis à la fois le personnage d'Elio, donc le personnage masculin, mais je suis aussi très fort le personnage féminin. En fait, quand on écrit une histoire dans un film comme celui-là, qui est vraiment un film d'auteur, on met de soi et un peu partout en réalité. Je suis partout, c'est-à-dire que toutes les questions que je... et en fait même dans un désir de ne pas c'est pas un film à charge, c'est-à-dire chaque personnage et chaque partie du film, j'ai pas voulu les caricaturer. Ils ont leur monde, leur vie, leurs choix, leurs erreurs. Chacun peut s'y retrouver, mais j'ai pas voulu faire un procès de personne. Et au contraire, je voulais que le spectateur se retrouve aussi dans ses faiblesses, dans ses doutes, dans ses fissures, à travers des personnages qui sont eux-mêmes dans un débat, voire une débâcle avec eux-mêmes. Donc je suis un peu partout parce que je suis à la fois fort à travers certains personnages et aussi fragilisé par une partie de ma vie et qui s'exprime dans d'autres personnages. Alors moi, je me suis fait la réflexion. C'est vrai que ça se passe par rapport à la religion juive orthodoxe et les traditions qui sont lourdes à porter, mais cela pourrait se passer dans d'autres religions. Mais alors, Gérard, c'est tellement vrai ce que vous dites qu'il s'est passé il n'y a pas longtemps et c'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois. J'en parlais tout à l'heure à Vincent. Il est arrivé que dans des projections comme à Grenoble ou à Toulouse, j'ai devant moi, dans le public,
souvent d'ailleurs une femme qui prend la parole et qui me dit mais d'abord des mots très beaux sur le film, parce que je les sens très bouleversés, très émus, mais surtout qui me disent mais Esther, le personnage féminin, qui est donc une jeune juive orthodoxe, ils me disent c'est moi. Alors je laisse parler, disent, c'est moi, c'est mon histoire. Et au moins deux fois, quand elle commence à dire c'est mon histoire, en tout cas une fois de manière très claire, cette femme est tombée en larmes. Et elle m'a dit, écoutez, moi je suis musulmane. Mes deux parents vivent au bled. Et je me suis arraché à eux. Et j'ai eu une espèce de poids, de questionnement, de culpabilité immense. Et en voyant Esther, qui est donc une jeune fille juive très pratiquante, je me suis retrouvé dans toutes les étapes de sa démarche, de son questionnement, de ses inquiétudes, de ses angoisses même. Et donc je me suis dit, dans ces témoignages-là, je me suis dit, j'ai réussi mon film, c'est-à-dire que le film est universel. Il plaît à des gens qui sont juifs, et pas toujours. Il plaît à des gens qui sont musulmans, il plaît à des gens qui sont chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, la question... C'est pas une question de religion, et d'ailleurs c'est pas un film sur la religion. Non. C'est pour ça que je rentre pas plus avant. Mmh. Évidemment, ces gens arrivent, oui. Et ils sont notables parce qu'ils sont. Mais en réalité, je m'intéresse autant au personnage d'Elieu, qui est un agriculteur dépouille, qu'à cette famille. Le but n'était pas de faire un film sur un mode de fonctionnement, mais sur des contraintes, sur des mondes qui vous étouffent, sur des obstacles qu'il faut dépasser. Quelles que soient vos religions, d'où que vous veniez, il y a un moment où on cale dans la vie. Oui. Il y a un moment, peut-être même, je dirais autrement les choses, il y a un moment où on ne se repose plus la question du pourquoi, du sens des choses. Et d'ailleurs, c'est le sens de ce film pour moi, parce que je suis arrivé à un moment où, justement, j'arrivais plus à donner de sens à ce qui avait été mon engagement au départ, c'est-à-dire d'abord être acteur. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour... Donc, l'écriture est venu à mon secours, et en faisant naître cette histoire dans une longue période, parce qu'en fait il fallait que j'identifie pourquoi j'avais perdu cette envie, pourquoi le sens. Vous savez, quand on accepte, mais je crois que c'est vrai pour tous les métiers, quand on accepte ou quand on a une rencontre d'une grande évidence avec ce qu'on veut faire à 20 ans, la question se repose à 50 ans. Parce que c'était une évidence, parce que ce choix, il était indiscutable. Mais ce qui reste encore indiscutable 30 ans plus tard, il y a des choses qui ont bougé en nous, il y a des choses qui sont modifiées, et puis notre environnement, et puis on a trouvé des réponses à cette espèce d'engagement total dans lequel on s'est lancé. Mais ça, c'est pas vrai pour les acteurs, et c'est formidable, parce que dans les débats aussi, j'ai souvent cet échange, c'est-à-dire avec des gens qui me disent, j'ai eu, à un moment, une espèce d'impasse dans ma vie, je savais plus comment y répondre. Et tout le monde ne se trouve pas en mesure de pouvoir reposer question à sa propre histoire. Parfois le cinéma, et c'est pour ça que je trouve qu'il est formidable le cinéma, il vous aide à reposer question, il vous aide à finalement à vous renvoyer à votre histoire de manière plus fracassante, plus puissante que souvent les gens qui sont autour de vous et qui vous connaissent et qui sont avertis arrivent à le faire. Et comme dans l'histoire, en fait, Elio est entouré de gens, son intendant, sa sœur de lait, qui lui disent « mais tu vas dans la mauvaise direction, et même ton père que t'aimes tant et pour lequel tu es revenu sur cette terre n'aurait pas fait comme toi. Pourquoi tu t'entêtes ?» Il faut que cette jeune femme qui n'a rien à voir avec son monde, mais qui est chargée d'une urgence, d'une nécessité de sortir, puisque c'est un film sur les sortants, d'où qu'ils viennent, va le renvoyer à sa propre histoire et dans un effet miroir, le permettre de retrouver, de s'émanciper, de retrouver peut-être la liberté. Et juste pour finir, le titre « Tu choisiras la vie », c'est quand même significatif. Oui, oui, bien sûr. On ne se laisse pas enclaver. Non, non, et puis je rebondis là-dessus. C'est pas « Tu choisiras ta vie ». Non, la vie. La vie. La vie. C'est, oui, oui, bien, mais c'est pour ça. Oui. Je rebondis. Oui, parce qu'on peut confondre, mais moi je ne l'ai pas confondu. Non, et c'est pour ça, parce que c'est vrai, effectivement, elle ne choisit pas sa vie. Elle choisit la vie. La vie où on peut essayer d'en accrocher un peu parce que c'est très précieux, surtout aujourd'hui. C'est quoi le cinéma ? C'est à travers une histoire, trouver l'intersection qu'on a entre nous tous et combien une histoire peut avoir
un effet miroir sur nos propres vies comme spectateurs. Moi, quand je vais au cinéma, je suis spectateur avant d'être acteur. Bien avant d'être acteur, on en parlait d'ailleurs à table à l'instant. Moi, quand le film est bon, je ne me pose pas la question de savoir où est la caméra, comment joue l'acteur. Et d'ailleurs, très souvent, je connais les acteurs dans les films, et même personnellement, et j'ai tout, je les oublie, parce que la convention fait que l'acteur devient un personnage, et que ce personnage mène dans une histoire. Et ce qui est très beau, je trouve, et c'est le propre de ce métier, c'est de faire en sorte que, par l'émotion que procure la fiction, et qui est, à mon sens, beaucoup plus, aujourd'hui, un vecteur beaucoup plus fort pour créer de la communion et du lien entre les gens, combien on peut d'abord oublier ce qui est la réalité, c'est-à-dire une caméra, un acteur, un lieu, et se laisser prendre dans une histoire qui nous renvoie à notre propre histoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ce film, et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à le faire, et que je vous disais tout à l'heure en présentation que je voulais qu'il ait une vocation universelle, c'est que on puisse chacun avec nos parcours, et là maintenant je serais très curieux qu'on ait un échange, être renvoyé à ce qui a été de manière plus ou moins personnelle à un moment ces choix ou ce sens de la vie qu'on a pu perdre ou qu'on n'a pas questionné pour et c'est ça qui est formidable avec le cinéma d'ailleurs, moi je trouve, c'est que on a souvent des signaux d'alerte autour de nous qui nous font comprendre que on s'est égaré ou on est dans une impasse ou on a perdu un désir, une envie, quelque chose qui fait que on est à un moment de panne, et combien le cinéma parfois a une vocation extraordinaire de nous réveiller, de nous questionner. Ce film pose question, il donne pas de réponse comme vous l'avez constaté. Je pense d'ailleurs que la meilleure réponse à la question, c'est encore la question. C'est-à-dire ouvrir des portes et les passer ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que le cinéma, et c'est pour répondre à ce que tu me disais tout à l'heure, Vincent, c'est pour ça que je trouve que le cinéma a quelque chose d'unique, que la télé n'aura jamais, c'est que le noir se fait, et ensemble, avec toutes nos différences et de nos vies, de l'instant même où on se met dans une salle, on est lié par l'interpellation que peut procurer un film sur nous. Ce que je trouve absolument merveilleux et que la télé ne nous donnera jamais. Là, j'ai des films que j'ai faits en tant qu'acteur qui vont sortir à la télé, qui vont, malgré moi, faire des spectateurs en millions, puisque c'est le principe de la télé. Et il faut que vous sachiez que le film est à sa 7e semaine et que je viens avec bonheur vous rencontrer dans cette salle qui n'est pas pleine, et pour essayer de, à travers 20 ou 30 personnes comme ce soir, faire en sorte que le film résonne, non seulement sur vous, j'espère, mais sur aussi les gens à qui vous pourrez peut-être, avec lesquels vous pourrez échanger. Et là, ça se compte en unité. Et même, je dirais en destin, en histoire personnelle, voilà. Et le cinéma interroge nos histoires personnelles, alors que la télé, qui est souvent formatée, nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus divertissant, à tous les sens du terme d'ailleurs, voilà. C'est pour ça que là, si j'arrive à atteindre 30 000 spectateurs, ce qui a l'air dérisoire, je serais déjà très content, parce que j'avais un petit réseau de salles, et que le nombre importe peu, en fait. En fait, j'ai fait ce film et je me rends compte, là, depuis 3 mois que je me balade avec ce film, donc le mois qui a précédé la sortie du film, et maintenant c'est 2 mois où je fais le tour un peu du monde avec, je me rends compte que les débats qui suivent et l'échange que j'ai avec les gens dans la salle sont au moins aussi importants que le film, parce qu'en fait, bien sûr que les gens qui sont dans la salle, pour peu qu'ils aient été sensibles au film, le film travaille sur eux, mais en même temps, dans cet échange, ils continuent d'ouvrir cette première porte que j'ai ouverte. Est-ce qu'il y a des italophones dans cette salle ou pas? Des gens qui parlent l'italien? Non? Oui. Parce qu'il y a un très joli proverbe italien que je vais vous traduire. C'est qu'il y a un proverbe italien qui dit « Si chiude una porta, si apre un portone ». Ça veut dire qu'en fait, une porte se ferme, et alors, à ce moment-là, derrière, une plus grande porte s'ouvre. Et c'est ça pour moi la vocation du cinéma, et en particulier la vocation de ce film. C'est-à-dire, le destin d'Esther et celui d'Elio, c'est le destin de deux êtres qui sont dans une impasse de leur vie, qui n'entendent pas, enfin, en tout cas pour lui, et pour elle, c'est naissant, l'urgence
de s'arracher à quelque chose qui pèse trop sur eux et d'ouvrir cette porte ensemble, les deux, dans une rencontre totalement improbable. C'est ce que je voulais écrire, parce que je trouve que c'est très spectaculaire comment dans nos vies, ce ne sont pas les gens qui sont les plus proches de nous, les plus avisés sur nos vies, qui vont avoir un effet fort sur les changements ou les questionnements qu'on peut avoir sur nous, mais parfois des rencontres qui pourraient sembler sans conséquences, comme moi je sais que j'ai pris un jour un Paris-New York, et je suis arrivé à New York et j'avais rencontré quelqu'un à côté de moi qui a changé une partie d'un regard que j'avais sur certaines choses de ma vie. Donc j'adore cette idée que cette femme, cette jeune femme, qui n'aurait peut-être pas dû aller dans les Pouilles accompagner sa famille, qui y va parce qu'elle se dit peut-être qu'elle fait le dernier voyage avec sa famille avant de trouver le courage de s'arracher à ce monde trop contraignant pour elle, va faire la rencontre avec un homme qui n'a rien en commun avec elle, ni la langue, ni la culture, ni l'âge, ni le sexe, ni la tradition, et pourtant c'est lui qui va lui donner, qui va ouvrir cette... C'est marrant parce que tout à l'heure quand je venais, j'écoutais la chanson de Pierre Perret, « Ouvrez la cage aux oiseaux ». Et je trouve que c'est ça, qui ouvre la cage à l'oiseau. Et j'adore l'idée qu'il y a un Elio toujours pas très loin de nous. Voilà. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait. Moi, ce que je voudrais ajouter, pour poursuivre ce que tu dis, c'est que dans ton film, et ça je l'ai plus remarqué justement à la deuxième vision, les non-dits sont plus importants que ce qui est dit, parce qu'il y a des choses importantes qui sont dites. Il y a vraiment des choses qui interpellent. Mais les non-dits, ils sont aussi forts. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très réussi dans ton film. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est un film d'acteur, donc on pourrait penser qu'un film d'acteur, puisque depuis le temps que je joue des personnages, je sais ce que c'est. Le dialogue, je sais, on m'a fait dire un nombre de choses incalculables, et je sais qu'un acteur, par définition, il doit donner par la parole ce que l'auteur ou le réalisateur a voulu qu'il donne sens à sa présence dans le film. Mais je me suis rendu compte, effectivement, que dans ce film, plus j'avançais, moins le mot était important, plutôt... J'essayais de faire en sorte que, tant qu'il n'était pas essentiel, de ne pas le dire, ou de ne pas le monter. Parce qu'au montage, il y a eu encore un travail où j'ai beaucoup épuré le film. Et puis parce qu'on va encore en parler, et je vous laisse la parole, mais il y a les personnages qu'on a vus, que vous avez vus, et puis il y en a un personnage qui est pour moi extrêmement important, et qui justifie un peu tout ce qu'on se dit là, dont on parle pas souvent, mais qui est fondamental au film, c'est la nature. Et elle est d'abord très forte là où j'ai tourné, et pour moi elle incarne cette capacité, cette liberté en fait. Rien ne l'empêche d'être. C'est pour ça que je l'ai filmé comme je l'ai filmé, que j'ai même pris le temps, c'est-à-dire qu'au risque peut-être que le film soit lent, mais en tout cas pour faire entrer l'histoire dans un rythme qui n'était déjà pas un rythme des films qu'on a l'habitude de voir, parce qu'aujourd'hui on est dans un formatage à la télévision et dans les séries, qui fait que si on n'est pas cut, on se dit, on s'emmerde. Et là, je me suis dit, je me suis pas dit, d'ailleurs, parce que ça s'est fait naturellement, mais je me suis laissé convaincre par ma propre histoire pour lui laisser le temps d'exister. Et la nature était très importante. Et je me suis rendu compte, en montant, qu'inconsciemment, je lui avais donné de l'importance, que je filmais ces feuilles qui frémissent, que je voulais entendre le bruit du vent, même le bruit des rayons de soleil qui viennent traverser l'arbre, que je voulais voir ce tronc incroyable de cet arbre, cet olivier qui a 2500 ans, m'a-t-on dit, mais peut-être un peu plus, il ne savait pas, qui est noué et qui, dans ses nœuds incroyables, il fait 6 mètres de large. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un pâté de maison, cet arbre. Et qui raconte combien il s'est battu avec son temps pour continuer à exister. Donc, ce personnage qui incarne la liberté, pour moi, était très important et renvoyait les deux personnages principaux à leur emprisonnement, à leur esclavage, à leur fait qu'ils sont des otages, alors que la nature est libre et elle les invite au contraire, elle tend toujours la main à leur dire « Libérez-vous, quoi. » Alors, vous pouvez
intervenir, soit pour poser des questions, soit pour donner un sentiment, soit pour... la parole est libre. Vous avez combien de temps pour faire le tournage? Ça a duré combien de temps pour le tournage de ce film actuellement? J'ai tourné ça assez vite, en fait. J'ai tourné ça en 5 semaines. En 5 semaines? En 5 semaines de 6 jours. Mais en Italie, on tourne le 6e jour, qui est un demi-jour, en fait, parce que à 15 heures, on doit avoir tout démonté. Donc, en fait, ça fait 27 jours pour faire le film. 26 jours pour faire... 26, 27 jours pour faire le film, ce qui n'est pas beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Franck. Bonsoir. Aussi Isaac Abraham. Avant tout, merci, parce que j'ai trouvé que le film était superbe. Ben, merci beaucoup. Ce qui est super aussi, c'est que dès la première minute, j'ai dit « Le film va me plaire, j'adore ce film. » J'ai failli le dire à ma femme, à côté de moi, et j'ai eu peur d'être déçu en regardant le film. Et finalement, je ne l'ai pas été. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait ce film, et puis on va continuer à discuter en débattant avec le public. Merci Stéphane Franck. Merci.